Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à votre webinaire proposé par l'ISFC. L'ISFC, vous connaissez, c'est l'École supérieure de promotion sociale d'Etterbeek qui propose 4 bacheliers ainsi que de nombreux cours de langue. Alors, le thème du webinaire de ce soir est comment optimiser sa présence sur le web via le marketing digital. Installez-vous confortablement et commençons par les objectifs de ce webinaire. Ils sont de deux types. D'abord, vous proposez un événement rassembleur. Nous accueillons en effet, bien sûr, les étudiants du bachelier de marketing et bienvenue. Nous accueillons aussi des alumni, c'est-à-dire des bachelors et spécifiquement des promotions 2019, 2020 et 2021. Welcome on board. Et puis, sont présents aussi des membres du corps enseignant et administratif de l'école, dont Madame la directrice Karine Mertens et son adjointe Mathilde Van Damme. Je vous salue toutes et tous. À côté de ce premier objectif de lien, de réseautage finalement, nous avons aussi un objectif de contenu par les réponses qui seront apportées à la problématique de l'optimisation de sa présence sur le web. C'est une des principales clés de succès de la stratégie marketing. Je suis Frédéric Vanquer, je crois que vous me connaissez, enseignant, chargé de cours à l'ISFC dans le bachelier de marketing, mais je ne suis pas seul. Il y a Alexandra Kizizier qui est aujourd'hui à la réalisation, en backstage, et puis nous avons pensé à une co-animation prof-étudiant. Et j'ai le plaisir d'accueillir à présent ma co-animatrice du jour, Claire Demierbe. Bonsoir Claire. Bonsoir, bonsoir, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Super. Alors Claire, comment va se dérouler cette première partie de soirée? Alors, dans le cadre de ce webinaire, nous recevrons deux intervenants. Comme première intervenante, nous avons Solange de Messmaker. Solange est détentrice d'un master en presse information et possède 10 années d'expérience dans le digital. Elle est actuellement la cofondatrice de l'agence Les Branchés. Donc, bonjour Solange et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Notre second intervenant est Christian Siona. Christian est détenteur d'un diplôme en informatique de gestion. Il a 19 ans d'expérience, dont 5 dans le digital, et est cofondateur de l'association African Professionals Belgium. Donc, merci Christian d'être aujourd'hui avec nous et bienvenue à toi. Merci, bonsoir tout le monde. Alors, avant de commencer, revenons sur 3 règles essentielles pour que l'expérience soit le plus réussie possible. Alors, premièrement, les micros seront coupés du début à la fin du webinaire. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, du coup, dans la barre Zoom. Et n'hésitez pas à partager vos témoignages, poser un maximum de questions à l'intervenant, toujours par cette barre de messages. Alors, aujourd'hui, nous aurons 3 moments forts durant ce webinaire. Le premier moment, nous assisterons aux exposés de nos intervenants. Ensuite, nous passerons aux témoignages de nos alumni. Et nous terminerons ensuite par une série de questions-réponses. Donc, sans plus attendre, passons aux exposés. Alors, le premier thème abordé est « Comment optimiser sa présence via la communication digitale ?» Pour répondre à cette question, je fais appel à Solange, qui est notre experte de la communication. C'est à toi, Solange. Est-ce qu'on m'entend ? Oui. Super, merci. Bonsoir à tous et à tous. Je ne sais pas si on me voit. Oui, on vous voit. Super, extra. Je m'excuse auprès de tout le monde parce que je suis en vadrouille et je voulais signifier à quel point c'était tout à fait représentatif des métiers du digital à l'heure actuelle puisque je suis en train de faire cette réunion sur mon téléphone et que je cours entre des réunions qui sont très au digital. Donc, je suis quand même ravie d'être là avec vous ce soir pour parler de cette thématique qui me tient très fort à cœur, qui est le digital marketing. Donc, comme tu l'as très bien dit, c'est Claire, je crois, hein, ton prénom. Oui, c'est bien ça.
Merci pour la chouette intro d'ailleurs. Comme tu l'as dit, moi je bosse dans une agence qui est à moi, que j'ai eu le plaisir de cofonder avec une de mes copines. Et donc toutes les deux, on accompagne des PME, des entreprises de petite taille, surtout des associations, dans la mise en place de leur marketing digital. Et je vois tous les jours à quel point c'est un défi terrible pour plein de gens d'être présents sur tous les canaux du digital de manière efficace. Parce que c'est, on avait tous conscience, si vous êtes jeune, et je n'en doute pas, à quel point chaque jour, des réseaux sociaux se développent, des nouvelles manières de rendre visibles des produits se développent. Et c'est vrai que je passe beaucoup de temps de ma vie professionnelle à expliquer aux gens comment faire pour être plus visible grâce aux canaux du marketing digital. Alors, vous avez sûrement des idées qui sont aussi bonnes, sûrement meilleures que les miennes, parce que vous êtes plus aux prises avec ça, car c'est un secteur qui est en mouvement perpétuel. Je suis, moi aussi, beaucoup de webinaires, beaucoup de formations pour essayer de rester au courant de ce qui se passe. Je pense notamment à tout ce qui se passe sur TikTok, avec les marques qui commencent à investir TikTok, qui est pour ma génération, moi j'ai 35 ans, c'est pas si vieux, mais quand même déjà un peu. Pour ma génération, TikTok, c'est un petit peu compliqué. Mais pour votre génération, c'est probablement un canal de marketing digital avec lequel il faudra tenir compte. Ce qui est un peu fou, parce que c'est aussi le canal avec lequel vous vous divertissez, le canal avec lequel vous communiquez avec vos potes. Donc, c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut travailler. Et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à l'expliquer aux gens. C'est parce que mon travail, c'est pas de glander sur Facebook ou Instagram toute la journée, mais c'est de trouver comment on va réussir à vendre des produits sur ces plateformes de manière efficace. Alors, la difficulté, évidemment, c'est que vous le savez probablement si vous êtes étudiant en marketing et en marketing digital plus précisément, les réseaux sociaux de type Facebook sont en train de devenir très exigeants en termes de faire payer les gens pour être visibles. Parce que nos amis, les algorithmes, ne sont pas là pour nous aider. Et donc, ces petites PME, ces entrepreneurs, ces gens qui bossent dans le secteur associatif, ils sont confrontés à des problématiques qui sont de se dire « je dois être tout le temps présent sur les réseaux pour être visible, parce que sinon l'algorithme, il m'oublie et je peux carrément oublier d'être visible. Et en plus de ça, je dois payer pour pouvoir espérer toucher les gens. » Donc, c'est un vrai défi à l'heure actuelle d'avoir des stratégies qui soient suffisamment solides pour justement arriver à toucher son public malgré la présence des algorithmes. Alors, je parle beaucoup de réseaux sociaux, mais je tiens vraiment aussi à dire à quel point le marketing digital, ce n'est pas que ça. Loin de là. Et je suis d'ailleurs en train de retomber en amour avec les newsletters et les mailings. Alors, je sais que si vous êtes jeune, vous allez me regarder comme si je parlais d'un truc vraiment, vraiment super daté. D'ailleurs, peut-être que votre boîte mail contient 3500 messages non lus. Mais sachez que c'est vraiment très important à l'heure actuelle, si vous devenez conseiller en marketing digital ou que vous empruntez cette voie d'accompagner des personnes à vendre leurs produits via du digital, c'est vraiment important de les encourager à diversifier leurs sources de présence. Je vais parler d'un exemple très précis que j'ai eu, très triste je trouve. Une super styliste belge que j'accompagnais avait un compte Instagram magnifique, comme vous pouvez l'imaginer les comptes Instagram magnifiques, c'est-à-dire une super belle grille, des stories dans tous les sens, bref, une chouette communauté. Un beau jour, elle reçoit un DM d'un de ses copains, un proche, sans que ce soit un ami, mais un proche, qui lui dit « Ah tiens, j'ai un problème, est-ce que tu peux cliquer là ?» Mal réveillée, elle le fait. Résultat, elle perd tout son compte Instagram et elle n'y a plus jamais eu accès. Et ça, c'est un vrai problème à l'heure actuelle parce qu'il y a de plus en plus de marques, et vous en connaissez sûrement, qui bâtissent tout leur marketing digital sur un canal et qui, du coup, quand il y a un problème de ce type-là, qui peut arriver, vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu une panne de Facebook il y a quelques semaines, quand il y a ce genre de problème, il faut pouvoir avoir des contacts réels avec ses clients. C'est ultra important. C'est pour ça que je milite à fond la caisse pour que les gens continuent à avoir des bases de données de mails de leurs clients pour pouvoir leur envoyer des mails. Si ma chère styliste avait eu ça, elle aurait pu envoyer un mail à tous ses clients en disant « j'ai perdu mon compte Insta, mais on se retrouve sur celui-là ». Et là, non, elle a juste dû recommencer de zéro, avoir un nouveau compte Instagram sans pouvoir prévenir sa base initiale du changement. Et du coup, évidemment, en termes de visibilité, on fait deux fois le travail. C'est épuisant, c'est pas du tout,
c'est pas du tout efficace. Donc, au-delà des réseaux sociaux que j'adore, je vous encourage vraiment, pour bâtir des stratégies de marketing digital qui soient solides, à diversifier les piliers. Bien sûr, le site web central en termes de visibilité, en termes de vente en ligne, mais tous les canaux secondaires, tous les canaux qui vont amener les gens vers le site internet, il faut essayer de ne pas mettre ses œufs dans le même panier que je disais avant, et donc de vraiment diversifier les sources, réseaux sociaux, mailing. Vous pouvez penser à des tas de choses, les podcasts et toutes les choses qu'on peut développer pour créer de la notoriété de marque. Mais c'est, à mon sens, le grand défi à l'heure actuelle de sortir de notre dépendance aux algorithmes pour bâtir des stratégies qui soient pérennes en termes de marketing digital. Alors, je ne sais pas si j'ai encore du temps, si on a encore un peu de minutes. Non, allez-y, super intéressant de toute façon. Ok, très bien, mais c'est parce que je sais que le temps est compté et que l'intervenant suivant a une intervention plus longue que la mienne, donc je ne voudrais surtout pas manger du temps. Mais je voulais juste ajouter, puisque si j'ai encore quelques minutes, que si j'ai, en tout cas, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire passer à mes étudiants quand je donnais cours, c'est vraiment la nécessité, si vous voulez être des acteurs efficaces dans ce secteur-là, la nécessité d'être systématiquement à l'affût des nouvelles. Vous-même, vous devez, et je suis sûre que vous devez déjà être abonné aux bonnes newsletters du secteur, suivre les bons podcasts du secteur, et vraiment aussi encourager les gens, et j'ai encore entendu un webinaire génial à ce sujet-là ce midi, encourager les gens à réfléchir et à bâtir leur stratégie de marketing digital sur des piliers solides. Parce qu'il y a beaucoup trop de marques, d'entreprises, d'entrepreneurs qui vont se lancer sur les réseaux sociaux ou lancer dans une stratégie de marketing digital sans avoir bâti des piliers solides, c'est-à-dire des valeurs, un public cible, un produit, des slogans, des choses qui sont essentielles à une communication qui soit pérenne sur ce genre de canaux. Et donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est très important à l'heure actuelle. Vous allez être une génération aussi confrontée à des tas de questionnements par rapport à l'impact écologique des contenus que vous produisez, les vidéos et compagnie. Donc, si vous accompagnez des entreprises, des entrepreneurs, des PME, etc., essayez aussi de les conscientiser au fait que leur stratégie de marketing digital, c'est une stratégie sur mesure. Ce n'est pas « je dois absolument créer un compte Instagram parce que tout le monde en a un » ou « je dois me lancer sur TikTok parce que tout le monde le fait ». Non, c'est mes valeurs, mon produit, ma clientèle cible, elle est où et comment je fais pour la trouver d'une manière qui soit raisonnée sans pour autant me lancer dans des stratégies où je suis obligée de poster 5 posts sur Insta par semaine, 3 sur TikTok, 2 sur LinkedIn, alors qu'en fait, on a déjà… Enfin, ce n'est pas le métier de la plupart des gens. Les gens, ils ont des vrais boulots, ils doivent communiquer et faire leur marketing digital en plus. Donc vraiment, je vous invite à ce travail sur mesure et à cette réflexion sur la sobriété, comme on dit maintenant, la sobriété dans le développement des différents canaux pour éviter justement la surconsommation de tous ces contenus qui sont très énergivores, photos, vidéos et compagnie, c'est super, mais ça consomme aussi beaucoup d'énergie. Donc, je pense que c'est aussi un défi pour votre génération. Claire, je ne sais pas si je peux encore parler, mais sinon je veux... Mais du coup, ici, c'était super intéressant, c'était parfait. Alors, du coup, je vais juste faire un petit point. C'est du coup prévenir tout le monde que du coup, Solange partira bientôt. Donc, elle a bousculé tout son agenda pour être avec nous. Donc, c'était super, merci beaucoup. Et donc, on va vite passer aux questions. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Posez-les toutes, du coup, en Zoom. Ouais, alors, je suis désolée, hein, mais... J'ai une AG à 18h30, je resterai volontiers avec vous, mais ça ne va pas... Oh, yeah, c'est déjà super gentil d'être avec nous. Avec grand plaisir, vraiment. Alors, j'ai une question ici qui est, quel canal de marketing digital conseilleriez-vous d'investir prioritairement en 2022 ? Clairement, pour moi, les mailings, parce que je pense que c'est déjà un des seuls canaux que vous allez posséder en termes de propriété, puisque n'oublions jamais que nous sommes locataires des réseaux sociaux, on ne possède pas tout ça, c'est Mark Zuckerberg et toute la compagnie. Donc vraiment, j'invite tous les entrepreneurs que je rencontre à créer des bases de données et à se mettre en contact direct avec leur clientèle. N'oubliez pas non plus qu'on est en Belgique, on vend dans un écosystème qui n'est pas l'écosystème asiatique, par exemple, qui est très réactif à la vente sur les réseaux sociaux. On est encore dans un système où les gens aiment bien acheter sur des petits sites bien sécurisés ou leur mail bien sécurisé.
Donc, plutôt là-dessus pour moi. Super, merci beaucoup. Et ici, on a une question qui est donc, comment se tenir au courant de l'actualité dans ce secteur, du coup, dans marketing. Ah, mais donc, ça, c'est vraiment pour moi donc la newsletter du blog du modérateur, tous les vendredis matin, super travail. Et le podcast, le Super Daily, tous les lundis, super podcast, toute du digital. C'est vraiment les deux meilleures sources pour moi et synthétiques. Donc, vous choisissez si vous préférez lire le BDM, écouter des podcasts, le Super Daily. Super, et je confirme, je le suis aussi. Et en effet, c'est super intéressant. Ah, et ouais, on bien. A aussi, donc, les entreprises doivent-elles toutes aller sur TikTok selon vous? Non, certainement pas. Certainement pas. Je pense que c'est très intéressant de continuer à garder à l'œil les entreprises qui y vont, de comprendre ce qui les motive, de comprendre comment elles font. Mais moi, j'ai beaucoup de demandes de formation là-dessus, d'entreprises pour lesquelles je trouve qu'en fait, leur stratégie Insta est déjà pas terrible. Donc, si c'est pour faire du pas terrible partout, non. Je préfère qu'on fasse du très bien sur un canal de marketing digital plutôt que du pas terrible sur plein de canaux. Parfait, super. Et si on me demande le nom de la newsletter, du coup, je vais noter ça en message, le blog du modérateur. Yes, c'est franchement la meilleure et la plus synthétique, je trouve. Parfait, ben, super, merci en tout cas, mais c'était génial. Merci Solange en tout cas pour tout ce que vous avez fait. Avec grand plaisir, vraiment. Avec grand plaisir, je vous souhaite un bon webinaire s'il y a plus de questions et surtout une bonne continuation, un bel été à tout le monde et amusez-vous bien sur des cadeaux de marketing digital. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous. Alors, pour ce second thème, nous discuterons de comment rechercher des prospects grâce au marketing digital. Et pour répondre à cette question, je fais appel à Christian, qui est notre expert sur le sujet. C'est à vous, Christian. Merci Claire, et merci effectivement à Métanessis et puis à l'ISFCE pour l'invitation. Voilà, je me présente effectivement, même si l'introduction a été donnée effectivement par Claire, je me présente, je m'appelle Christian Sionnard, donc je suis leader en marketing relationnel. Je suis également entrepreneur, donc j'ai 5 business. Vous allez comprendre un petit peu, je vous parle de mes business parce que j'ai eu une problématique super importante. Je suis dans plusieurs business, je suis coach de tennis, je suis également entrepreneur, j'ai une entreprise spécialisé en informatique, spécifiquement pour la gestion de projet et la gestion de services. Et je me suis rendu compte que j'avais une problématique importante, qui est la suivante. Comment justement trouver des prospects ciblés par rapport au business? Parce qu'effectivement, pour démarcher les prospects, je ne pouvais pas m'adresser à n'importe qui et à la limite avoir des noms. Ah tiens, ça ne m'intéresse pas, ce service, ça ne m'intéresse pas. C'est comme si je vous demande, Claire, est-ce que vous souhaitez avoir des cours de tennis sans pour autant savoir si vous avez un intérêt, si vous avez déjà joué au tennis, j'ai quasiment 90% des chances, vous allez me dire, non, ça ne m'intéresse pas, je préfère le rugby ou le foot. Alors, ben voilà, justement. Alors du coup, j'ai préféré plutôt rechercher plutôt les prospects ciblés. Donc, ça veut dire quasiment les futurs clients qui ont marqué un intérêt spécifiquement par rapport à mes services ou mes produits. Je vais vous parler d'un outil que j'ai découvert récemment, d'une société canadienne. L'outil a été créé en 2017 qui s'appelle NowSight. Ça vous permet simplement de pouvoir rechercher des prospects ciblés grâce à des critères de recherche bien pointus. De dire que voilà, par exemple, Claire, voilà, voici mes services, je recherche des prospects qualifiés par rapport à mon business. Et dès qu'on trouve les prospects ciblés, on peut directement les contacter. Donc l'outil permet de les contacter et les contacter via les réseaux sociaux. Au lieu de passer des heures à pouvoir d'abord aller sur Facebook, ensuite sur LinkedIn, ensuite sur Twitter, l'outil permet justement de faire un regroupement de tous ces réseaux sociaux et de me trouver le prospect intéressé par mon business. Ensuite, l'outil me permet simplement aussi de pouvoir, via des scripts, à savoir quoi lui dire. Imaginez-vous un petit peu que moi, je suis coach de tennis. Ben, j'ai notamment des joueurs potentiels en France. Ben, je voudrais quand même savoir qu'est-ce que je veux lui dire exactement. Ensuite, la troisième étape, c'est de pouvoir contacter la personne via des scripts. Et enfin, la dernière étape, c'est de pouvoir faire un suivi. Parce qu'on peut bien, évidemment, contacter une personne aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que la personne sera intéressée. Peut-être, ah tiens, je vais réfléchir. Bah. Et l'outil permet de faire un suivi très clair. On peut mettre en fait un rappel pour dire, tiens, Claire m'a répondu aujourd'hui, mais je vais faire un mail de suivi dans une semaine ou dans deux semaines.
Le secret de la réussite pour les entrepreneurs, c'est aussi le suivi. Ce n'est pas uniquement contacter une personne, la première femme, et se faire vraiment le suivi. Alors, sans plus tarder, est-ce que vous êtes prêts pour découvrir cet outil ? Bien sûr. Quelques mains levées. Ah ben voilà, merci. Parce que sinon, je veux la motivation. Super. Alors, sans plus tarder, je vais vous faire découvrir l'outil dont je parle. Alors, je partage l'écran. Dites-moi si vous voyez très bien l'écran. Peut-être un Alors petit... oui, moi je le vois en tout cas. Ah ben super, voilà. L'outil est très simple. C'est l'outil que j'ai trouvé le plus efficace et le plus simple pour rechercher des prospects ciblés. Regardez un petit peu. Ici, vous voyez, je peux faire une recherche basée sur des critères bien précis. Alors, mon prospect, je suis dans le marketing relationnel. Donc, je recherche des personnes intéressées par la santé. Évidemment, comme on le dit, sans la santé, il n'y a pas d'entrepreneuriat. Si on est cloué au lit, effectivement, on ne fait pas de business. Donc, moi, effectivement, en tant que je fais également du marketing relationnel, donc je propose des produits basés sur l'aloe vera dans le domaine du bien-être et forcément sur des compléments alimentaires. Donc, je recherchais, dans mon cas, des prospects susceptibles d'être intéressés par ce business. Donc, en Belgique, la ville, je laisse comme ça, je laisse vite, on peut sélectionner la région. Ici, au niveau du centre de compétences, évidemment, je le mets en anglais. J'ai plus effectivement de chances d'avoir des prospects ciblés si effectivement on le transforme en anglais. Ensuite, on peut choisir homme ou femme. Ben, Claire, je suppose que dans le domaine de la santé, ben, tout le monde est intéressé, qu'on soit homme ou femme, c'est pareil. Exactement. On ne peut pas choisir. Ensuite, la société, dans le domaine de la santé, ce n'est pas vraiment spécifique de savoir où on travaille, ce n'est pas important. La profession, qu'on soit marketeur ou informaticien ou infirmière, ce n'est pas tellement nécessaire. L'industrie non plus. Alors, je descends ici. Et est-ce que j'ai besoin de cibler, par exemple, l'âge de la personne ? Finalement, non. Ce n'est pas important non plus. Alors, ici, il faut savoir que je mets tous, parce qu'on a également la possibilité, dans le marketing digital, évidemment, de cibler une catégorie de la population par rapport à l'âge. Pour l'instant, pour la démo, je mets tous. Ensuite, très important, je me dis, OK, est-ce que je choisis les personnes qui sont forcément actives dans Facebook, LinkedIn? Je dis tout le monde, parce que justement, le but, c'est de pouvoir ne pas cibler un réseau social, justement. C'est de cibler tous ces réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, email et aussi Messenger ou même LinkedIn. Alors, je sauvegarde mes critères de recherche. Ensuite, je clique sur ce bouton. Et vous voyez, c'est très rapide et très simple. Là, il va m'afficher une personne, justement. Ah ben, cette personne, je fais dans « voir le prospect ». Alors ici, vous voyez, j'ai l'adresse email de la personne. J'ai vraiment les données sur mon prospect. J'ai son numéro de téléphone, j'ai son adresse Facebook, j'ai son LinkedIn et la personne habite à Bruxelles. C'est une femme. Et j'ai également son industrie, son domaine d'activité, et surtout regarder les intérêts. Et du coup, la personne intéressée par les droits humains, l'art et la culture, l'éducation, la santé. Et comme ça, même quand je vais contacter la personne, je sais exactement, au moins, j'ai une longueur d'avance par rapport à une personne lambda qui va contacter Madame Laura Esnaloa directement sur Facebook. Et moi, j'ai une longueur d'avance sur ces centres d'intérêt. Du coup, je peux vraiment pratiquer ce qu'on appelle le marketing d'attraction. Je vais d'abord communiquer à la personne. Ensuite, je vais lui proposer mon service. Et vous avez également les compétences de la personne. Alors, ici, qu'est-ce que je fais? J'ai deux solutions. Soit, effectivement, je peux aller voir le Facebook, directement l'adresse, le Facebook de la personne, mais je le fais un peu plus tard. Pour l'instant, je vais directement cliquer sur ce qu'on appelle SalesFlow. L'outil s'appelle SalesFlow. Sales, en anglais, vente, flow, flux. Le flux de vente, justement, pour interagir avec des prospects. Et ici, on parle de ce qu'on appelle le marché froid. Ça veut dire que c'est une personne que je ne connais pas. Forcément, la plupart, quand on débute en tant qu'entrepreneur, ben, nos futurs clients, ben, forcément, sont les personnes qu'on ne connaît pas. Alors ici, je clique sur « Submit » et regardez bien ici, l'outil me propose comment, quel canal pour contacter la personne. Très important, soit via Messenger, LinkedIn ou même Facebook. Alors ici, je choisis de directement contacter, je mets LinkedIn par exemple. J'aime bien ce réseau, je suis actif. Alors, regardez bien ici. Première partie, ça a été fait. On a ciblé la personne, OK, Madame Laura Esnaloa. La deuxième partie, c'est de pouvoir savoir quoi dire à cette personne. Et du coup, ici, quand on clique sur « Bibliothèque de messages », on a des scripts déjà établis.
franchement, et regardez ici la découverte par rapport à l'objectif, on sélectionne ici quel est mon objectif. Ben, mon objectif, c'est d'abord de pouvoir rentrer en contact avec la personne pour la toute première fois. Vous voyez, après, je pourrais envoyer un premier mail, un premier message pour pouvoir établir un contact, un rapport, ensuite présenter le produit. Il y a même des scripts pour faire le suivi et même pour réserver un meeting. Il y a quasiment tout. Ici, quand je clique ça, j'ai directement un script déjà préétabli que je pourrais customiser. Alors, évidemment, Claire, lorsqu'on ne connaît pas une personne, on ne présente pas directement le produit. On va d'abord introduire. Je pense que c'est logique quand même. On dit bonjour et puis on introduit. Donc ici, je choisis forcément établir la rencontre. Et je vais même cliquer sur relier. Alors, ici, par exemple, j'ai le choix entre choisir ce script ou celui-là. Ici, presque clairement, je sais que la personne est professionnelle. Forcément, je dis, je cherche à élargir mon réseau avec d'autres professionnels. J'aimerais en savoir plus sur ce que vous faites, madame, et si nous pouvons nous soutenir mutuellement. On sélectionne ça, on le sélectionne, et très important ici au niveau de la langue. Alors, je sais que Claire, j'ai vu le profil de la personne, c'est un profil en anglais. Donc, forcément, pour la contacter, je choisis l'anglais et pas le français. Voilà, directement, l'outil traduit du français en anglais. Je sélectionne ça, regardez, et automatiquement ici, je vais aller ici. Je clique sur « Sélectionner » et automatiquement, j'ai un message ici. Alors ici, je le customise, comme je mets « Christian Siona ». Et ici, je vois les contacts de la personne. Et ici, je vais mettre « Hi, Laura ». Voilà. Une fois que c'est fait, vous voyez bien ici, je clique sur « Envoyer ». Lorsque je clique sur « Envoyer », il me dit ben « voilà, go to LinkedIn ». Donc, il va directement aller sur LinkedIn. Mais il faut savoir que mon message est copié. Mon message déjà copié, et là, je veux aller directement sur le profil de la personne. Vous voyez un petit peu la facilité. Je n'ai pas besoin d'ouvrir LinkedIn. Évidemment, LinkedIn doit être ouvert pour faire la synchronisation, mais je vais directement sur le contact de la personne. Et voilà le profil de mon prospect, Laura Estenola. Et ici, j'envoie un message. Et lorsque j'envoie un message, regardez bien ici, j'ai la possibilité ici, lorsque je fais CTRL V, copie directement le message qui a été sélectionné comme script. Et ici, je dis, bah, salutation. Voilà, hop là. Et voilà, ici, en direct, quand je clique sur envoyer, il a directement envoyé un message à Laura. Donc, le message est envoyé. Et lorsque je retourne dans Outside, dans l'application, il me dit, avez-vous envoyé un message avec succès? Ben oui, j'envoie le message à mon prospect. Et il me demande, est-ce que vous êtes intéressé pour faire un suivi? Je me dis, tiens, aujourd'hui, Claire, nous sommes, et chers étudiants, nous sommes aujourd'hui le 14, je vais faire un suivi, je dirais 3 jours plus tard. Ben, le 17, je fais un suivi. Je me dis, je fais un suivi ben, quand même pas à 6 heures du matin. Je vais sélectionner, bon, allez, on va dire, à 11 heures. À 11h34, je fais mon petit suivi. Je mets un petit message pour Laura. Et voilà, hop là. Je mets ça, comme ça, je sais au moins, parce qu'il faut savoir qu'ici, je peux contacter plus de quasiment 100 prospects. L'outil, par mois, vous réserve 100 prospects ciblés. 100. Alors, forcément, si j'ai contacté 50 prospects, il faut que je m'en souvienne. Donc, l'outil me permet de me souvenir. Et lorsque je clique sur « Terminer », voilà, c'est fait. Il a directement… J'ai contacté un prospect ciblé, intéressé par la santé. Voilà. Et ici, effectivement, je peux encore faire pareil. Je peux encore rechercher un deuxième prospect. Alors, ici, vous voyez bien que ça, c'est le total des prospects qui me restent encore à pouvoir utiliser entre le 10 juin et le 10 juillet. Et du coup, c'est parce que j'avais pris une offre un petit peu plus grande, j'avais choisi 1000 prospects. Mais les offres de base vous permettent d'avoir 100 prospects en un mois. Voilà, ça, c'est pour la toute première partie de mon intervention sur la partie sales flow. Voilà, Claire, je ne sais pas s'il y a des questions déjà. Mais super, du coup, il y en a certaines qui arrivent déjà, donc c'était super intéressant. Je regarde un petit peu les questions qui sont arrivées en privé. Alors, j'ai une première question ici qui est, je souhaite développer mon activité en ligne comme entrepreneur, mais je ne sais pas par où commencer. Comment trouver mon public cible et que dois-je faire? Alors, très simplement de pouvoir d'abord cibler sa stratégie. Je pense que donc l'intervenante juste avant l'a signalé. Ensuite, pour utiliser Northside. Nowside peut vous permettre de trouver votre public cible. Et vous voyez comme c'est très facile à partir simplement des critères de recherche, je peux directement le trouver.
Donc, la réponse est très simple, utilisez NowSites. Super. Voilà. Alors, deuxième question, du coup, c'est « Je manque de confiance pour générer de l'intérêt et conclure des ventes. Que dois-je faire ?» Alors, je dirais, premièrement déjà, pour avoir de l'intérêt, pour pouvoir clairement, en fait, susciter de l'intérêt, je manque de confiance, c'est de passer à l'action. Et moi, je dirais, il y a plusieurs manières de passer à l'action, de pouvoir établir d'abord ce que je dois faire. Premièrement, quel est le service que je propose ? L'outil que je vous ai montré, on arrive à la fin. Mais avant, effectivement, on définit son public cible. Et après, on passe à l'outil informatique pour le rechercher. Si je manque de confiance, ben, je me lance. Je me lance simplement parce que ça, j'aurai la chance d'avoir un outil qui répond à cette question. On n'a pas de confiance, on se lance. Et je pourrais même dire, on se fait accompagner pour avoir un coaching, pour avoir un mentor qui pourra justement vous aider à pouvoir vous développer en tant qu'entrepreneur. C'est ce que moi, j'ai fait. Voilà. Et du coup, ici, j'ai une question qui est-ce que l'outil est disponible pour d'autres pays à part la Belgique ? C'est vrai que c'est intéressant comme question. Alors, c'est une très, très bonne question. La réponse est oui, absolument. Dans la démo que j'ai pu effectuer, là, j'ai sélectionné la Belgique. Mais effectivement, on peut sélectionner plusieurs autres pays. Il faut savoir que c'est un outil qui vient du Canada, ça existe depuis 2017. Et donc, on peut sélectionner le Canada, les États-Unis, tous les pays quasiment en Europe et même en Afrique. Donc oui, absolument. Super. Et ici, une dernière question qui arrive ici maintenant, c'est « Je voudrais avoir des prospects et des tunnels en utilisant un seul outil. Est-ce que c'est possible ?» Absolument. Toujours avec NowSite. Je vous ai d'abord montré, pour moi, on a une voiture. Vous imaginez un petit peu, je vois Frédéric, je vois Claire, je vois tous les étudiants. On a une voiture. On ne sait pas aller à la destination sans mettre le carburant dans la voiture. Sinon, on ne démarre pas. Sinon, on arrive dans l'autoroute, « Ah, je suis bloqué !» Et justement, NowSite est quasiment le prospect. Comme pour une voiture, on a besoin du carburant pour pouvoir avancer. Pour un entrepreneur, c'est pareil. Il faut absolument avoir un outil pour pouvoir justement démarrer son activité. On peut avoir le meilleur service du monde, le meilleur produit du monde. Si on n'a pas de prospect ciblé, j'insiste, hein, ciblé, à la limite, il n'y a pas de client. Et s'il n'y a pas de client, il n'y a pas de revenu, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Donc, le business, voilà. Donc, oui, absolument. Mais super, mais merci beaucoup. Du coup, ici, je vois que niveau questions, on est bon. Donc, du coup, merci beaucoup, Christian, en tout cas, pour votre intervention. C'était super intéressant. Avec plaisir. Ici, du coup, nous passons à la partie témoignage de nos alumni. Et pour cela, je passe la parole à Monsieur Vanker. Oui. Oui, merci, Claire. Merci beaucoup. Nous allons en effet passer à la deuxième partie et lors de cette deuxième partie, nous allons accueillir successivement Bianca Bura et Zita Jatta. Alors, ce sont deux bachelors en marketing, donc sortis de l'ISFC, et elles ont toutes les deux une expérience à partager avec vous sur le marketing digital. Je vais les interviewer, mais vous avez la possibilité, chers participants, de leur poser aussi des questions via le chat. Et un question time vous sera proposé, mais après les deux interviews. J'espère aussi que vous continuez à passer une excellente soirée. Et nous allons passer à notre première interview. J'accueille donc notre premier témoin, Bianca Bura. Bonjour Bianca et merci déjà pour votre témoignage. Bonjour. Bonjour Bianca. Alors, je vais vous présenter ou représenter en deux, trois mots. Donc Bianca, vous êtes bachelor marketing, dont je l'ai dit, à l'ISSC. Et vous avez été donc diplômé en 2019. Vous avez déjà 7 ans d'expérience professionnelle. Alors, vous me direz, il est tard, il ne sait plus calculer. Mais non, 7 ans, parce que vous savez comme moi que les étudiants, pendant leurs études, ils travaillent. C'était le cas de Bianca. Et donc, 7 ans d'expérience professionnelle, dont 3 dans le digital. Donc, les 3 dernières années se sont passées dans le digital. Et actuellement, elle est digital marketeur en Roumanie. Quelle est sa spécialisation ? Eh bien, elle est spécialiste en Google Ads et Google Partner au sein de l'entreprise où elle travaille. Donc, Bianca, je vais proposer de vous poser 2-3 questions et de démarrer tout de suite. Alors, ma première question, Bianca, c'est, je sais que le marketing digital, je m'en souviens, vous êtes apparu très vite comme une priorité dans votre carrière. Et je voulais savoir en quoi vos stages à l'ISFC vous ont apporté une première expérience dans ce domaine. Oui,
Non, tout à fait. J'ai fait mon stage dans le domaine du marketing digital. Donc, mon maître de stage organisait des workshops et des conférences pour les entrepreneurs, pour les aider à développer leur entreprise. Et en parallèle, il développait une plateforme de mise en relation des professionnels du bien-être et les particuliers. Donc, cette plateforme a permis de l'utiliser en tant que sujet de TFE. Et la partie workshop et conférences m'ont aidé à apprendre à promouvoir sur les réseaux sociaux, créer des landing pages, apprendre à rediriger des emails attrayants et construire des funnels pour retenir les personnes. Et mon maître de stage m'a aussi offert l'accès à différentes formations, workshops dans le digital marketing. Super. Et donc justement, vous nous dites que vous avez pu accéder à des formations. Quelles sont ces formations auxquelles vous avez participé et en quoi est-ce qu'elles ont boosté votre carrière? Alors, j'ai participé à deux workshops de l'entreprise Nextech. Ça s'appelait 18 by Digital Advice. Le premier workshop était sur le sujet de growth hacking et le deuxième du design thinking. Et donc, cela m'a permis de décrocher un premier job à l'aide de mon stage aussi. Et j'étais à ce moment-là junior digital specialist dans une petite entreprise qui vendait des softwares administratifs, des logiciels. OK, donc ça c'est votre premier job, mais aujourd'hui, votre job actuel, en quoi consiste-t-il? Je pense que vous travaillez dans une agence de marketing digital. Donc en Oui, quoi consiste-t-il? oui. Donc on a plusieurs clients. Comme vous avez dit, je suis devenue partenaire Google, donc je suis spécialiste en Google Ads. J'aide aux côtés de mes collègues à développer des stratégies marketing pour nos clients sur différents réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Google, etc. Okay. Et donc, oui. Excuse-moi. Donc voilà. Je pensais en fait en disant OK, c'est parce que je pensais justement au lien déjà avec les deux premiers intervenants, tant Solange que Christian, et donc vous voyez déjà utiliser ce qui avait été dit par les deux intervenants. Et donc pour être pragmatique justement, comme le Christian l'a fait tout à l'heure, j'aimerais bien savoir ce que recherchent vos clients dans vos services. Et donc si vous pouviez prendre un exemple pour nous expliquer un peu en quoi vous rencontrez l'attente de vos clients. Alors en général, je pense qu'ils ne savent pas ce qu'ils recherchent. Ils veulent juste être présents en ligne car c'est comme ça qu'on gagne en visibilité. Donc par exemple, on va dire qu'on prend un client qui est actif dans le domaine du fashion, surtout s'il est en début d'expérience en tant qu'entrepreneur, il vient et nous dit, écoutez, je voudrais avoir plus de clients. Donc cela n'est pas vraiment d'une grande aide. C'est rare qu'un client ait une éducation digitale, donc on doit un peu l'informer, lui expliquer comment le digital fonctionne. On doit trouver ensemble, ou bien il nous dit quel est le marché visé, la zone géographique où il vend, les produits qu'il propose, et en fonction de cela, et grâce à notre expérience, on lui propose un budget qu'il accepte ou qu'il accepte pas. On lui propose les différentes plateformes sur lesquelles il pourrait se promouvoir, car il y a des produits qui se vendent mieux sur une plateforme et moins bien sur l'autre. Okay. En tout cas, merci pour ce témoignage. J'espère qu'il est inspirant pour nos étudiants et pour les bachelors qui nous écoutent. Et Merci à vous. oui, merci Bianca. Et nous nous retrouvons tout à l'heure pour le question time. Après, donc, notre second témoin, et le second témoin de la soirée, c'est Zita Jatta que j'accueille. Bonsoir Zita. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Bien, bien, merci à vous. Super. Voilà, merci de partager également votre expérience. Je vous présente, hein, ou je vous représente en quelques mots. Vous êtes sorti de l'ISFC en bachelier marketing en 2017. Vous avez 5 ans d'expérience depuis, et il y en a deux qu'on peut considérer comme 100% dans le marketing digital. Et actuellement, vous êtes webmaster et entrepreneur, et je pense que c'est un mot important, le mot entrepreneur, particulièrement pour vous.
Donc, je vais vous poser la question suivante. C'est marrant parce que je me souviens de votre TFE. Hein, et dans votre TFE, vous parliez de gaufres belges que vous vouliez produire, lancer, vendre à Dakar. Et vous l'aviez fait, n'est-ce pas? En effet. Voilà. Ce fut une chouette expérience à faire. C'était aussi l'occasion de me lancer dans l'entrepreneuriat et de toucher aussi au monde du digital. Parce que pour pouvoir me lancer, j'ai en effet effectué un crowdfunding. Et là, c'est intéressant. Donc, c'est ce qui m'a aussi permis de voir ce que j'étais capable de faire et où étaient mes blocages finalement. Parce que ça n'a pas été quelque chose de facile. Puis qu'en sortant de l'ISFCE, on n'avait pas cette notion du digital. Donc, et un crowdfunding, ben, ça demande de l'avoir. Tout ce qui est en termes de storytelling, emailing et autres, c'est quand même assez, assez important. Et bon, voilà. Donc là, mon expérience au Sénégal a été un moteur, en fait, finalement, pour la suite où j'en suis là à l'heure actuelle. Donc, je continue toujours mon parcours entrepreneurial, pas au Sénégal, ici en Belgique, mais toujours dans le domaine de l'alimentation africaine. Donc, voilà, donc, ça reste. Et en même temps, je fais des sites Internet pour des clients parce que je me suis lancée en tant que freelance webmaster. D'accord. Et entre les deux, je pense, parce que quand on s'est parlé, vous m'aviez parlé de formation que vous aviez suivie dans l'écosystème Molen Geek. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? De quoi s'agit-il? Ben justement, afin de pouvoir me lancer dans ce parcours entrepreneurial, il fallait que je me forme au digital. Et pendant le confinement, j'ai eu la chance de tomber sur une publicité, une ad Facebook de Molen Geek, où ils proposaient de faire une formation en webmaster. Je me suis dit, ben écoutez, sur l'occasion, allons-y, parce que j'avais envie de me lancer dans le monde du e-commerce, du web, et voir un peu comment ça fonctionne. Et j'ai commencé comme ça, donc à apprendre à faire des sites Internet. Et puis, durant ma formation, j'ai eu une semaine de marketing digital. Et là, je suis complètement tombée fou, amoureuse. Je me suis dit, non, mais je ne peux pas faire des sites Internet sans savoir comment rédiger une landing page attrayante. Enfin, voilà, donc ça, c'était hyper important pour moi. Et c'était un chouette prof aussi, un coach plutôt, parce qu'à Molen Geek, on n'appelle pas les profs professeurs, mais plutôt des coachs. Et c'était un chouette coach qui avait vraiment une manière de fonctionner, une philosophie. Qui n'était pas genre, on n'est pas à l'école, on est là pour apprendre les uns des autres. Et là, dès que j'ai fini mes 3 mois de webmaster, je me suis dit, j'enchaîne avec 6 mois de marketing digital, parce que c'était 6 mois assez intense. Et voilà, je suis sortie de là avec un bagage quand même, je pense, assez solide qui me permet de pouvoir me lancer, qui m'a permis de me lancer en toute confiance en tout cas. Bravo. Maintenant, pour susciter par rapport à cette formation, comment vous avez été sélectionné? Est-ce qu'il y a une forme de sélection ou bien tout le monde peut y prétendre? Oui. Bon, pour webmaster, là, c'était plutôt simple. C'était un entretien individuel sur ses motivations, un petit peu sur pourquoi est-ce qu'on veut se lancer, pourquoi est-ce qu'on veut faire cette formation-là. Mais par contre, pour le marketing digital, là, c'est autre chose parce qu'on nous met directement d'emblée dans le bain. Donc, on arrive, on a un cas pratique. Et il faut savoir que la majorité des gens qui étaient là ne connaissaient rien en digital, donc même en marketing en fait, tout simplement. On venait d'horizons totalement différents, mais on avait ce cas pratique et on nous donnait quelques instructions. Donc pendant 4 jours, on avait un peu comme un système, une sorte de marathon qu'on devait accomplir. Et à la fin, on a dû présenter un projet, donc présenter en fait le projet avec les différentes phases du projet. Donc quelle stratégie on va appliquer pour cette problématique en fonction de la phase du projet dans laquelle on se situe. Et en fonction de ça, on était sélectionnés, mais on était sélectionnés aussi sur une dynamique de groupe, parce qu'il faut savoir que pendant les 6 mois, c'était assez intense, on avait déjà tout ce qui est les présentations, les oraux, parce qu'il fallait, toutes les semaines, on présentait une partie du cours ou un sujet du cours qui nous avait motivés. Donc ça, c'était hyper important de pouvoir aussi être à l'aise en présentation, que ce soit de projet ou autre pour les clients. Et deuxièmement, il y avait ce travail de groupe qui était aussi effectué pendant tout le long. Et on était toujours sur des cas pratiques de clients réels, que ce soit de notre coach, parce que lui-même a une agence en fait, de marketing digital, ou alors des clients de Molen Geek même. Et du coup, on était en constante pratique. Donc ça, c'était assez intéressant. Et je pense que c'est rare d'avoir une formation de cette ampleur
puis dès le début, on est vraiment dedans. C'est pas simplement un stage, non. C'est 6 mois intense. C'est comme si on travaillait, mais on apprenait. Et on s'amusait aussi, hein. Et on pleurait de temps en temps parce que c'est pas facile de travailler en équipe. et par moments, les choses peuvent être assez, assez compliquées. On ne dormait pas beaucoup aussi. Enfin, voilà. Et en même temps, on avait à côté de ça toujours des hackathons qui étaient organisés. Donc parfois, pendant tout un week-end intense, on sait pas que des hackathons avec la marketing digitale, enfin les gens de la marketing digitale, non, il y avait des gens de. Des développeurs web, par exemple, eux, ils développaient un site internet, nous, en parallèle, on devait développer la stratégie. Enfin, c'était assez génial. Donc, très proche de la réalité. Et cette réalité, ben, vous en avez déjà touché un mot tout à l'heure, mais vous pourriez peut-être nous en dire un tout petit peu plus. Vos services, maintenant, vous offrez quoi et pour quelle cible, si vous deviez synthétiser cela à nos personnes ? Alors, moi, j'offre aux petites PME, petites entreprises, une visibilité en ligne grâce à un site internet. Là, j'ai aussi centré sur les femmes entrepreneuses africaines. Donc ça, c'était ma cible principale à la base. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que souvent, on a une cible qui est définie, enfin, qu'on croit, on se dit, ah, ben, c'est celle-là, moi, je vais viser cette cible-là. Et puis, avec le temps, je me rends compte que je suis plus contactée par des hommes, toujours afro, de la diaspora, bien sûr, parce que ça, c'était mon objectif, c'est vraiment pouvoir aider ma communauté aussi. Et des gens de la diaspora, mais plus des hommes qui me contactent. Donc, ça, c'est assez intéressant. J'ai dû réadapter un petit peu ma communication à ce sujet aussi, parce que finalement, ce n'était pas à ça que je m'attendais et il fallait s'adapter. Mais bon, donc, voilà. Donc, toujours aider les gens à avoir une présence en ligne grâce à un site internet. OK. Mais donc, je ressens vos valeurs et votre passion. En tout cas, merci pour ce témoignage, Zita. Bien vite, maintenant, tout de suite, on va vous retrouver, mais je passe le lead à Claire pour la suite. Mon micro était coupé, excusez-moi. Oui. Donc, je disais, donc nous passons actuellement à la toute dernière partie de ce webinaire, qui est la partie questions-réponses. Alors, du coup, je vous laisse commencer, Monsieur Anger, si vous voulez, et après, on se tuera. Oui, je regarde aussi sur le chat ce qu'il y a déjà comme question. Et donc, c'est pour nos deux témoins, mais s'il y a des questions pour Christian, on peut revenir bien sûr à lui aussi. Mais je vois ici pour Bianca, voilà, une question qui fait penser à l'outil STAR que j'utilise. De quoi êtes-vous fière dans votre parcours, Bianca? Bianca. Oui, désolé, j'avais aussi le micro coupé. De ne pas avoir lâché prise, car c'était compliqué à l'époque d'apprendre le marketing digital. Donc, d'être curieuse et autodidacte. Il faut étudier tout le temps, non-stop. Il y a toujours des nouvelles choses qui viennent, des nouvelles informations, des nouvelles plateformes. Donc, il faut toujours être à jour pour avoir les meilleurs résultats. Mm-hmm. OK. Et en quoi, alors, les cours de l'ISFC vous ont aidé dans votre travail? Ils m'ont aidé surtout pour la partie pour tracer les stratégies des business, pour savoir analyser le profil du client, le business model, etc. C'est important d'avoir tous ces détails pour par après appliquer la partie digitale. Il faut quand même avoir la partie marketing générale pour ça. D'accord, merci. Alors, je regarde, il y a une question pour Zita. Il y a deux questions en une. Hein. Donc ici, c'est quel statut avez-vous? Et avez-vous dû réaliser un business plan avant de vous lancer? J'imagine. Mais... que répondez-vous à ça? Donc, le statut et le business plan. Alors, le statut, là, pour l'instant, moi, je passe par la Smart. Donc, je ne me suis pas encore mise en tant qu'indépendante pure et dure. Donc, je suis facturée par la Smart. Parce que je pense que c'est intéressant. C'est aussi ça que j'ai appris avec mon expérience à Dakar. C'est qu'il est important de tester son projet, de tester, de voir si ça fonctionne ou pas. Et surtout quand on prend un risque comme ça, donc c'est important de pouvoir voir si j'arrive à trouver des clients, j'avais suffisamment de temps, voilà, si je m'en sortais.
Donc, ça, c'est une chose. Et du coup, là, bientôt, je vais bientôt être à mon compte, donc je suis contente. Ça s'est fait doucement, doucement. Et puis, la deuxième question, c'était quoi encore? J'ai oublié. C'était une question qui était liée au business plan, c'est de savoir si vous deviez faire un business plan. Alors, faire un business plan, ça, c'est aussi une chose, c'est que souvent, un business plan, c'est très théorique. Donc, je pense que ce qui était important, c'était d'abord une chose, c'est déterminer mon public cible et ma stratégie. C'était les deux choses qui me semblaient primordiales dans un premier temps. Et puis, par la suite, maintenant que je vois que ça fonctionne, de pouvoir vraiment construire un business plan. Le business plan donc, m'a été utile plus dans mon côté entrepreneurial, parce qu'à côté de ça, comme j'ai dit, j'ai une page Instagram où je vends mes produits et mon site internet où je vends les produits en provenance du Sénégal. Donc, vraiment deux business différents. Là, j'ai dû faire un business plan, oui, pour ce projet-là. Mais en tant que freelance, non, je n'ai pas eu un business plan à faire. J'ai plutôt eu à faire une étude de cas, entre guillemets, pour savoir vraiment à qui je m'adresse et à quel tarif il est plus. Enfin, tout ça, mais léger. OK. Voilà. Et je regardais en même temps parce que je vois que pour Bianca, on pose la question des critères pour choisir un premier job qui permette d'évoluer, d'apprendre et d'évoluer dans le digital. Est-ce que vous avez un conseil à donner par rapport à ce premier job qui permet de s'ouvrir au digital, Bianca? Oui, alors tout d'abord, ça va être bizarre, mais c'est pas le salaire qui est le plus important, car on peut vite grandir dans ce domaine, mais si on n'apprend pas les bonnes bases, il sera plus compliqué. Donc tout d'abord, il faut se spécialiser sur une plateforme. Si on veut être dans une entreprise et on veut pas avoir une autre entreprise, il faut se spécialiser ou sur Facebook ou sur Google Ads ou sur l'emailing ou le content, le writing, etc. Et par après, on peut se développer et grandir dans une entreprise. Okay, donc, c'est ça mes conseils, qu'il faut être spécialiste dans une plateforme car il y a beaucoup d'informations, ça change tous les jours et c'est compliqué de... C'est compliqué de rester informé sur toutes les plateformes en même temps. Merci de ce conseil et merci pour la question qui a été posée aussi. Claire, voyez-vous encore d'autres questions? Alors oui, en effet, j'en vois pas mal. Donc du coup, on peut commencer du coup pour les questions pour Bianca, Zita et aussi pour Christian. Okay. Alors du coup, ici pour Zita, une question que j'ai ici, c'est est-ce que vous souhaitez avoir plus d'informations du coup sur la formation que vous avez suivie, ou si c'était à Bologne Geek ou pas plus d'infos du coup à ce sujet. La formation à Moulin Geek, c'est le marketing digital. Attendez, est-ce que c'était? Parce que je n'ai pas entendu la première partie de la question. Alors, juste du coup, savoir avoir plus d'informations sur la formation que vous avez suivie de 6 mois en marketing digital et donc l'endroit où vous l'avez suivi, si c'est bien Moulin Geek. Oui, c'est bien à Moulin Geek directement, que a été effectué. Et plus d'informations à ce sujet, c'est que c'est une formation de 6 mois qui regroupe pas mal de choses, que ce soit tout ce qui est community management, storytelling, il y a aussi un peu de création de site web, parce que là, il faut quand même pouvoir gérer un site internet. Il y a tout ce qui est aussi motivation et, je veux dire, c'est développement personnel, donc ça, ils le mettent aussi un peu dedans, parce qu'il faut qu'on sorte de là en étant des vainqueurs, comme ils disent, pour avoir une certaine confiance en soi. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi développé tout au long de la formation. Mais il y a aussi tout ce qui est ads, donc Facebook ads, Google. Donc ça, c'est des choses aussi, pouvoir faire une publicité, créer des pubs et voilà. Et tout ce qui est vidéo et photo. Donc ça, c'est aussi, on a ça. Donc tout ce qui est montage de vidéos, création de vidéos, enfin, tout est dedans. Donc c'est vraiment 6 mois intenses où on voit pas mal d'aspects du digital. Et puis, les 2 derniers mois, on doit se spécialiser. Donc, ça, c'est assez important. C'est que les 2 derniers mois, on choisit en quoi on se spécialise. Et là, il y a des formations en externe, en tout cas, qui sont conseillées par les coachs pour qu'on puisse se former vraiment et se spécialiser dans ce domaine-là pour que par la suite, on puisse, à la fin de ces 6 mois, faire un stage encore. Parce que ça, là, on peut faire un stage après 6 mois, faire un stage de spécialisation et sortir de là avec vraiment un bagage assez énorme. Donc, voilà. Super, super complet en tout cas, c'est génial.
Et si du coup, une autre question, du coup, bah, toujours pour toi, Zita, c'est comment avez-vous vécu la mise en place de votre projet à des gaufres au Dakar et quelle expérience en avez-vous tiré? Alors, c'était pas facile. C'est... Parce que quand on retourne en Afrique, et surtout moi, j'ai vécu en Europe pendant très très longtemps, donc j'ai une idéologie, on pourrait dire européenne, une manière de fonctionner qui est totalement différente de là-bas. Donc il a fallu me réadapter finalement au mode de fonctionnement africain qui est enfin, sénégalais, ce qui a été très 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 difficile parce que je n'avais pas appréhendé ça. Et je pense que là maintenant, j'ai plus du tout ce même blocage, mais je l'ai eu en tout cas dès mon arrivée. Après voilà, c'est avec le temps, c'est des petites choses qu'il faut faire et des rencontres aussi. C'est vraiment prendre le temps avec les gens et prendre le temps de comprendre les gens autour de soi. Et on arrive à se lancer assez facilement. Il faut juste pas avoir peur, en fait. Je pense qu'on a souvent la peur de se dire « Ah, ça ne va pas fonctionner » ou « Si ça ne fonctionne pas, je fais quoi ?» Mais je pense que si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Et on a toujours une leçon à tirer, finalement, de ce qu'on entreprend. Super. Ben merci beaucoup, en tout cas, Zita. Ici, du coup, j'ai des questions pour Christian aussi. Je les vois ici. Donc, la première question, c'est combien coûte l'outil et est-ce adapté pour des jeunes entrepreneurs? Alors, c'est une excellente question. Alors, où ça coûte combien? La démo que je vous ai proposée, la démo SalesFlow, il y a un forfait mensuel. Ça fonctionne en termes d'abonnement. Et l'abonnement mensuel, c'est $49,50 par mois. Et si on veut le prendre de manière annuelle, là, en fait, on a une réduction et ça coûte $444 par an. Donc et là, effectivement, on a plusieurs services. Hein. Et effectivement, on a aussi l'aide d'un expert qui va justement vous aider en fait, l'entrepreneur, jeune ou moins jeune, à pouvoir définir son public cible. Parce que j'ai vu une question par rapport à ça, justement. Alors, l'offre propose justement l'aide. Donc, l'aide qu'on a d'un expert pour définir son public cible. Mais effectivement, au niveau du tarif, c'est $49,50 par mois. Voilà. OK, mais super. En tout cas, c'est un bon investissement, je pense. Et puis, la deuxième question, est-ce que c'est adapté aux jeunes entrepreneurs? Oui, absolument, tout à fait. Ah oui, quand on démarre en fait une start-up ou bien qu'on soit déjà entrepreneur pendant 20 ans, oui, absolument, puisque lorsqu'on recherche, je pense que les problématiques sont les mêmes. Qu'on soit un jeune entrepreneur, on recherche des clients. Qu'on soit un avec 5 business, on a un chiffre d'affaires de plus de 200 000 euros, on recherche aussi des prospects, des clients, des futurs clients. Donc, je dirais l'un dans l'autre, absolument. L'outil est adapté pour ces deux cas. Génial. Et du coup, j'ai une autre question, du coup, toujours pour vous, Christian. C'est est-ce que c'est facile d'avoir des retours de prospects après la prise de contact? Bonne question. Évidemment, aussi une bonne question pour savoir un petit peu le taux de rentabilité. Alors, c'est facile. Moi, je dirais que j'utiliserai pas le mot facile. J'utiliserai oui, il y a une possibilité. Je dirais plutôt oui, ça fonctionne. Facile, non, parce qu'effectivement, la démo que j'ai faite, évidemment, j'ai envoyé à un prospect comme ça vite fait, mais il y a une réflexion à la base à voir en amont. Si on veut garantir la réussite, même en utilisant l'outil, c'est de faire un travail en amont, de bien définir justement son prospect d'abord, qu'est-ce qu'on souhaite cibler par rapport à son service, et après, effectivement, donner envie aux gens qu'on contacte de pouvoir nous répondre. Je donne un exemple très simple. Si je suis coach de tennis et que je vends quasiment des bananes au supermarché et que je contacte des personnes susceptibles d'être intéressées par mes cours de tennis, et si j'ai un profil qui mentionne les bananes, ben j'aurai zéro résultat. La personne va regarder parce que les personnes vont directement regarder sur votre profil. C'est comme dans la vie de tous les jours. Hein. Vous recevez une demande d'amis sur Facebook, vous regardez quoi avant d'accepter le profil de la personne? Ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que la personne peut m'apporter une valeur ajoutée? Donc, je dirais, oui, c'est possible, mais il faut se former. Et justement, l'outil NowSight a vraiment des vidéos de formation très, très bien, élaborées qui permettent de pouvoir aider ça. Donc, je dirais facile, non, mais possible, oui, grâce à une formation et surtout d'avoir un profil intéressant qui va attirer les gens. Voilà. Super. Ben, merci, Christian, en tout cas. Ici, du coup, j'ai une question pour Bianca qui est remontée plus loin. C'est quel produit se vend le plus et comment savoir quel tunnel utiliser du coup, ben, pour le vendre? Ben, tout dépend du marché, du pays où tu te trouves,
Ça dépend de beaucoup de choses. Mais comme Zita l'a dit, il faut se lancer. Si on a un produit qu'on veut vendre ou un service qu'on veut promouvoir, on peut commencer par se promouvoir et on voit si ça marche ou pas. Et parfait, super. Et c'est quoi la deuxième partie? Alors du coup, c'était ça. Donc, comment savoir quels produits se vendent le plus? Et une fois qu'on sait quel produit se vend, ou notre produit à nous, comment savoir le tunnel à utiliser du coup pour le vendre, le tunnel à prioriser? Le tunnel dépend du budget qu'on a. Donc, si on n'a pas de budget, on peut se promouvoir sur Facebook, sur des groupes Facebook avec des entrepreneurs, sur Instagram, sur TikTok avec des petites vidéos. Si on a un petit budget, on peut commencer par se promouvoir sur Facebook, ramener des leads et les introduire dans l'emailing et leur contact et leur envoyer des emails. Super, merci beaucoup. Je pense que ça va être utile pour pas mal d'entre nous. Et du coup, une dernière petite question qui est arrivée, du coup, c'est pour Zita, c'est mais comment bien déterminer son public cible? Donc, est-ce que ça a été facile pour toi et comment tu t'y es pris pour ça? Non, ça n'a pas été facile du tout. Je crois que c'est un coup de test aussi. Hein. Je veux dire, on teste pour savoir qui répond. Moi, par exemple, pour le cas de Nyamba Nature, donc sur Instagram, je ne suis pas arrivée d'emblée en vendant mon produit, je suis arrivée en parlant de fruits et de bienfaits de nature, de tout ce qui est bienfait pour la santé, de fruits en provenance d'Afrique. Je suis vraiment partie sur des choses, des fruits ancestraux aussi, souvent oubliés. Donc, j'ai vraiment ciblé des gens qui étaient intéressés par ma thématique. Donc, des gens qui m'ont suivi, ce sont des gens qui étaient intéressés par ce type de produit pour par la suite pouvoir inclure, voilà, venir et leur présenter mes produits en leur disant, bah voilà, je propose tel produit et autres. Et c'est comme ça, et j'ai testé. Donc, j'ai commencé ma page, j'ai créé il y a un an, plus ou moins, un peu plus d'un an, pardon. Et là, j'ai commencé à vraiment petit à petit à proposer les produits et à voir ce qui était le plus demandé. Parce que là, j'ai des retours aussi, donc j'ai pas proposé pendant un an les mêmes produits. Non, j'ai proposé différents produits. Et c'est seulement maintenant que j'ai mes produits qui sont constitués et que je peux me lancer concrètement parce que c'est un an de test. Donc, justement, quand on parlait de business plan, moi, mon étude de marché, je l'ai faite de cette manière-là. Elle m'a permis de déterminer mon public cible, mais en plus de déterminer les produits qui se vendaient les mieux et qui étaient les plus demandés. Donc, mais ça m'a pris un an et parce que j'avais pas les fonds pour me lancer. Donc, je me suis dit, comme je n'ai pas d'argent, j'ai trouvé un autre système pour pouvoir avoir les deux réponses, cibler mon public et en même temps, enfin, cibler le public et en même temps déterminer le bon produit. Merci. Super, merci beaucoup en tout cas, Zita. Ouais. Moi, niveau questions, je n'en vois plus aucune. Du moins, je regarde un petit peu, mais je n'en vois plus, personnellement. Non, moi non plus. C'est à toi. Ok, mais alors je pense que on est bien dans notre timing. Je voudrais profiter et remercier tous nos intervenants, hein, donc Solange, Christian, Bianca et Zita. Merci pour leur disponibilité, merci pour leur input et merci pour leur sourire. Et puis je voudrais remercier la co-animatrice Claire, hein, pour avoir assuré, hein, dans ce webinaire. Je voudrais aussi penser à Alexandra Kizizier, qui est à la réalisation. Je vous ai dit qu'elle était en backstage ce soir. Je peux vous dire, elle a été centrale dans la gestion de cet événement. Elle nous a apporté son sens de l'organisation, sa précision et son expérience de ce type d'event. Merci Alexandra. Et voilà, c'est ici que se termine ce webinaire sur le marketing digital. Nous espérons que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu et que cela vous a inspiré. Ne manquez pas de nous donner votre feedback et j'espère que nous pourrons vous revoir dans d'autres projets, susciter peut-être d'autres témoignages, que ce soit sous une formule en virtuel ou en présentiel. En tout cas, nous vous souhaitons une très belle soirée et à nous revoir bientôt.